les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Est-ce que vous vous souvenez de la fille qui vous a dit oui dans le dernier vlog, qui vous a dit qu'elle était au bout de sa vie? Là je me suis maquillée pour faire des vidéos. Oui, je suis très très speed, ça fait une heure et demie que je parle. Mais est-ce que vous vous souvenez de la fille qui vous a dit oui, je vais faire un effort, j'en ai marre d'être grosse? Ouais, j'ai craqué. Au moins il est là, il est mangé, il est dans mon ventre, au moins j'ai pu, voilà, je suis pas torturée par ouais, je vais le manger, quand je vais le manger, et j'arrête. Et bah oui, faut arrêter. Bref les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, très très rare que je joue un vlog un dimanche. Je viens de vous filmer une vidéo Shein des familles. Ça fait toujours plaisir parce que vous avez dit dans mon précédent haul vlog que j'avais des vidéos à filmer et que je n'avais pas pris le temps étant donné que j'étais malade. Donc là voilà, j'ai filmé mes deux petites vidéos. Les enfants sont avec le papa. Je vais les descendre. J'avais qu'une envie, c'était de regarder avec eux les petits dessins animés. Mais je me suis dit, il faut que je filme. Et franchement, ça fait grave plaisir de vous parler. Ça fait grave plaisir. J'ai lu vos commentaires et franchement, faut avoir le cœur bien accroché. Enfin, le cœur bien accroché. Je me comprends, mais des fois, hein, ça y est, du coup, j'ai fait deux bannissements. Ouais, franchement, des fois, il y en a marre. Il y a des gens qui, je vous l'ai déjà dit, hein, mais des gens qui comprennent la moitié de ce que tu leur dis. Dans mon dernier vlog, je vous parlais de Chine, entre autres. Mais je vous parlais, voilà, de la nouvelle loi qu'elle allait avoir et tout. Et en fait, je disais que moi, ce que j'adorais sur Shein, par exemple, c'était les petits bracelets pour les montres. Et je disais, ce que j'achète, c'est ça. J'aurais dû dire ce que je consomme plutôt que ce que j'achète. Parce que les gens me disent, arrête, franchement, sois net avec toi-même. Tous les produits, tu les as gratuitement. Eh, mais ma cocotte, je t'ai pas attendu pour commander sur Shein ou sur AliExpress à l'époque. Je t'ai pas attendu, en fait, pour avoir des petits objets. Donc oui, j'aurais dû dire ce que je consomme. Mais qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça change? Je consommais avant d'être sur YouTube. Je consommerais après être sur YouTube. Et, Inch'Allah. Et voilà, non mais les gens des fois, voilà, tu leur fais un laïus pendant une demi-heure, les gens ils s'attardent sur un mot, ce que je consomme ou ce que j'achète. On se comprend Mireille. Et ce qui m'a fait rire, c'est sois honnête un peu, toutes mes vidéos sont sur la chaîne YouTube. Toutes les vidéos quand j'ai des partenariats sont sur ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos quand je n'ai pas partenariat sont sur ma chaîne YouTube. Toute ma consommation est sur ma chaîne YouTube. Donc oui, je ne peux pas être plus honnête avec moi-même. Je fais le montage de mes vidéos, je filme mes vidéos. Oh, hé les gens, sérieux! À un moment donné, il faut se faire ramonner la cheminée hein, pour être de meilleure humeur. Hein, parce que même moi, bref, on va pas s'attarder. Mais moi, j'arrive à être de bonne humeur. Malgré. Bref, voilà ce que j'ai fait. Donc là, je vais me dépêcher de ranger un petit peu toutes mes affaires. À quelques vêtements qui ne me vont pas. Donc je vais faire les photos, hop, pour Shein. Et il y a des choses que j'ai envie de tester. J'ai tellement envie de tester certaines choses. Donc du coup, je vais installer tout ça. Donc ouais, je suis grave excitée. Et puis voilà, ça fait du bien de filmer. Ça fait du bien de ouf. Je vous fais des bisous. Je vais pas fermer ma fermeture éclair. Je vous fais des bisous et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. On est jeudi. La fille commence son vlog le jeudi. Je crois que j'ai commencé le vlog seulement maintenant. Je ne sais pas trop. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Hier soir je voulais vous prendre, mais. À quel moment un bourdon, c'est bête à ce point-là? À quel moment? Hier soir. Alors, je vous le dis, je vais partir dans tous les sens. Hein. Hier soir, je couche mes enfants. Parce que le papa des enfants avait un dîner de prévu. Donc, du coup, je couche les enfants et tout. Il n'y a pas de souci. Et au moment de coucher ma fille. Alors, je vous montre la configuration de chez moi. Tu vois, chez moi, c'est comme ça. Il y a un grand couloir comme ça. Et ici, il y a la salle de bain. Ok, là, il y a une grande salle de bain et tout. Avec les Velux. On voit rien, mais il y a le Velux tout là-haut. Et la chambre de ma chouquette, elle est ici. Ok. Et moi, ma chambre, elle est là. La chambre d'amis, elle est là. Et donc, du coup, hier, je couche ma fille. Ok. Et d'un coup, j'entends un gros bruit. Un bruit énorme, tu vois.
J'ouvre la porte du couloir et je vois que c'était un gros bourdon. Enfin, merde. Plus la hauteur. Attends, je te l'ai montré la hauteur. La hauteur sous plafond, elle est juste énormissime, tu vois. Et donc, du coup, je vois mon chat en train d'essayer de choper un gros bourdon sa mère, tu vois. Donc, j'essaye tant bien que mal de lui dire de pas choper le bourdon. Je finis par. Alors, je ferme toutes les portes et tout pour pas qu'il aille dans la chambre de ma fille. Et je finis par. Attention, c'est super intéressant. Hein. Je finis par mettre le bourdon dans la. Dans la salle de bain. Là, j'essaye de me battre avec ceci, tu vois, la perche assez longue, pour essayer de... J'ouvre le Velux et j'essaye de le dégager, hop, de le pousser, j'arrive pas à la poser, de le pousser vers la fenêtre, le bourdon complètement con, mais franchement complètement con celui-là, il veut pas partir vers la fenêtre, bref, je me dis c'est pas grave, je vais fermer la porte, je vais laisser le Velux bien ouvert, puis il va finir par se barrer, tu vois. Mais pas serein quand même, tu vois. Bref, je fais ce que j'ai à faire. Une demi-heure après, je me pose enfin dans mon lit et tout, à faire un petit peu de montage. Et là, le bourdon, alors que la fenêtre de la salle de bain était fermée, que ma porte à moi était fermée, le bourdon, il passe, il arrive dans la chambre. Là, je suis en mode en PLS, mais complet, laisse tomber le gros bruit de ouf. Angèle, il commence à s'exciter et tout. Je fais, mais non, on va jamais y arriver. Je passe pas 10 minutes non plus, mais bien 5 minutes à essayer de dégager le bourdon. Bourdon, au début, il fait quoi? Il va là où je me dis, non, mais c'est foutu. Parce que le bourdon, il bourdonnait en mode PLS pas bien, tu vois, en mode PLS pas bien. Il arrêtait pas de se cogner partout. Il allait vers la lumière, il faisait n'importe quoi. À un moment donné, il allait dans les cadres là. Il était en mode PLS, il était entre deux cadres. On aurait dit qu'il était en train d'escalader l'Everest, le bourdon. À un moment donné, j'arrive à le mettre sur la perche. Je le mets vers la fenêtre. Bah non, il se barre pas par la fenêtre. Il s'est coincé là. J'ai un cadre ici là, celui-là présentement. Il s'est coincé derrière le cadre. Du coup, je commence à taper le cadre. Le truc qui fait en mode lâche-moi. Je fais, mais écoute mon gars, barre-toi, tu vois. J'ai vu qu'il était collé derrière la pâte à fixe et tout. Enfin, derrière l'espèce de languette là. Oh, une galère. À un moment donné, il tombe par terre. Je me dis, non, vas-y, je vais pas l'écraser, sa mère, ça se fait pas. Je veux juste lui sauver la vie et qu'il se barre, même s'il est en train de mourir. Parce que vu son bourdonnement, c'est en mode je vais canner, je suis pas bien. Bref, au bout de 5 minutes acharnées, il a réussi à monter une deuxième fois sur ma perche et j'ai réussi à le mettre dehors. Mais je me suis complètement con. Et j'étais en mode... La porte s'est fermée. J'étais en mode pas bien. Et à un moment, il m'a touché le nez et tout. Je suis... Laisse tomber la galère. Voilà, c'était juste une histoire de bourdon. Un peu comme l'épisode de Breaking Bad où pendant une heure, il est avec sa mouche là, qu'elle lui casse le coquillage. Et ben moi c'était un bourdon, franchement il m'a saoulé, je voulais vous prendre hier soir mais j'aurais été pas bien en train de filmer avec le bourdon et chatou et tout, ça aurait été compliqué de fou. Bref, aujourd'hui du coup jeudi, je viens de recevoir un gros colis, bing, de la marque Timu. Donc du coup je vais vous faire un petit haul des familles, je suis trop contente. Je me suis levée à 11h30, réveillée par un collègue qui était pas très loin de chez moi, donc du coup qui est passé vite fait à la maison boire un café, donc c'est cool. Après le facteur est passé, donc j'ai un haul Timu à vous faire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Vinted. Ça fait longtemps de fou. Hop, alors vous savez que j'adore les boîtes de choco grenouille. Hop, mais là j'ai acheté une petite boîte pour 35 balles je crois. Hop, comme ceci, une boîte de choco grenouille mais en céramique. Elle est trop belle, elle est trop belle. Elle vient... Ah, j'ai un autre truc à vous... Ah non, mais non, le truc que je voulais montrer. Elle vient des studios de Londres. Moi, je l'avais jamais vue. Donc franchement, elle est trop jolie. Je kiffe de ouf. Et dedans, j'ai mis les cheveux de ma chouquette. Pas du tout la même couleur. J'ai mis, voilà. C'est un trop bon. Les petits cheveux de ma chouquette quand elle était petite. Voilà, je les ai mis dedans. Dans la petite boîte de choco. De choco grenouille. Hop là, mais je la trouve super belle. Je trouve super jolie. Je suis contente, voilà. Bon, c'est dommage que je puisse pas la mettre comme ça, parce que du coup, elle s'ouvrirait si je la mettais comme ça. Je trouverais un jour un nouvel emplacement pour bien mettre tout ça. Mais voilà, en attendant, elle est là. Et je pensais que j'avais autre chose à vous montrer, mais non, j'ai rien d'autre à vous, non.
J'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai reçu aussi hier. Hier, il y a le facteur qui arrive et qui me dépose un colis. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'attends rien de particulier, à part le colis qui me, j'attends rien de particulier. Et là, c'était quelque chose de petit. Et en fait, il y a, franchement, mais beaucoup de temps, j'ai été contactée par l'entreprise Wild, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pour une collaboration, tout simplement. Donc là, j'ai reçu le colis comme ceci. Et en fait, Wild, alors j'avais vu ça sur les réseaux, ce sont des déodorants. Donc je me suis dit, c'est cool, je vais tester. Donc j'ai reçu ça comme ceci. Hop, il y a deux petits déodorants. Ça tombe bien parce que moi, mon déodorant, j'en avais presque pu. Et quand t'enlèves le petit truc comme ça, t'as deux déodorants comme ça en stick. Hop, alors là, j'ai déjà testé celui-là. Alors bien sûr, c'est des enfin, je dis bien sûr, mais ça se trouve, je sais pas. C'est des déodorants naturels et ça, c'est à vanille au coconut. Je l'ai mis. Alors oui, j'ai un petit bouton. Mais je l'ai mis aujourd'hui, donc du coup on va tester. Alors je pense que c'est des déodorants qui laissent des traces, un peu comme les Schmidt, tu vois, au niveau de la texture. Ça donne ceci. Mais j'aime bien, tu vois, parce que le packaging est en plastique, est en carton, donc du coup tu peux tout jeter et t'as... Alors faut voir comment il est foutu, parce que le mien de la marque Envie, quand t'arrives à la fin, c'est un peu compliqué. Avec les déodorants comme ça en carton, quand t'arrives à la fin du déo, c'est un petit peu chiant. Donc on va voir ce que ça va donner. Hop, je range ça. Toujours un peu malade. Un peu chiant. On range ça. Et l'autre, en fait, la particularité de ce déodorant là, c'est qu'en fait, t'achètes du coup le pack pour commencer. Ça se présente comme ceci. Tu vois, ça c'est un truc en plastique que tu ne jettes pas, que tu gardes. Et j'aime bien l'idée. Et en fait, du coup, je vais le faire avec vous. Alors là, j'ai Cherry Blossom et j'ai déodorant Refill. Je vais prendre le Refill. Ça m'a l'air d'être quelque chose de neutre, on va dire. Donc t'enlèves le petit packaging comme ça. Alors, si j'ai bien compris, même s'il y a quand même le manuel d'utilisation juste là. Ok, bon, c'est trop bien. Donc tu fais ça tout en bas. Et franchement, c'est pas mal. Si ça fonctionne bien, ça peut être grave cool. Donc tu fais ça, tu mets ça comme ça. C'est vegan pour information. Désolée, c'est chiant. C'est relou. Donc fraîche coton et fraîche coton, ok, donc ça c'est nickel chrome. Ensuite, bah, je mets ça comme ça. Ok. Et bah nickel, ça sort. Nickel chrome. Et du coup, ouais, il se remet. Enfin, par contre, il s'enfonce pas. Ok. Il se lève, mais il s'enfonce pas. Donc ça, on va tester ce nouveau petit déodorant, on va voir ce que ça donne. Mais je suis bien contente. Je suis très 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 contente d'avoir su ça. Et franchement, je m'attendais plus, parce que je te dis, franchement, ils m'ont contacté il y a à peu près 2 mois et tout. Donc là, on va voir. Et franchement, si ça fonctionne, ça peut être pas mal, parce que t'as juste à racheter les recharges. Je sais pas du tout combien ça coûte, hein, je vous avoue, j'ai pas regardé. Mais ça peut être grave cool, c'est un petit peu écolo et tout, j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée, je vous en parlerai. Je sais pas comment je vais faire pour tourner ma vidéo avec ma toux qui arrête pas de partir, ça va être un peu compliqué. Donc ouais, ça je vais tester. On va un peu s'organiser, hein. Hop. Hier, donc merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher. Je vous mettrai, si j'ai un lien de réduction, hein, je vous mettrai un code de réduction. Et d'ailleurs là, j'ai même un code de réduction 50% pour un ami. Je sais pas si vous voyez, voilà, faire une petite pause. Et puis vous regardez ça. Mais c'est cool. Oh, il y a même une réduction pour HelloFresh, c'est marrant. C'est marrant, c'est pas une marque française parce que c'est marqué en American. Mais très très cool, très très cool. Hâte de tester et hâte de voir si ça fonctionne. Parce que c'est vrai que moi, je transpire fort et il n'y a pas une très très bonne odeur. Une très très bonne odeur. Mais c'est vrai que j'ai tendance à transpirer. Bon, l'été c'est normal et tout, tu vois. Mais l'hiver, des fois j'ai des suées et tout. C'est un peu relou. C'est un peu relou. Donc on testera ça. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier, du coup, j'étais avec les enfants. Oh, on allait à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, je vais vous montrer les livres que nous avons pris
Hop là, on a pris tout ça comme livre. On a pris tout ça comme livre. Alors moi j'ai pris un livre pour moi. Ça y est, j'ai fini de lire mon Cluedo là. D'ailleurs j'ai rien compris là. Mon Cluedo, à chaque fois je meurs pas, mais j'arrive pas à résoudre l'enquête. Enfin c'est n'importe quoi ce Cluedo. Là j'ai pris un livre comme ça. C'est un livre feel good, un livre qui fait du bien à l'esprit, au cœur, et qui nous plonge dans une mélancolie bienveillante, une mélancolie heureuse. Donc on va tester. Quelqu'un à qui parler. Alors j'ai lu le synopsis derrière, et en fait c'est l'histoire d'un mec qui a 30 ans, qui est chez lui, qui c'est son anniversaire, et bon, je vous lis, non c'est chiant quand on lit, et en fait il sait pas qui appeler, tu vois, il est tout seul, il a pas d'amis et tout, et il compose le numéro de téléphone de son ancien chez lui quand il était petit, et là il y a quelqu'un qui répond, et en fait c'est lui quand il était jeune, et donc du coup il se tape lui-même la discute, donc ça peut être cool, ça peut être marrant. Enfin, marrant, on va voir ce que ça va donner. Et c'est écrit assez gros. Donc, Inch'Allah, tu vois, peut-être que dans 3 semaines, parce qu'il faut que je rentre dans 3 semaines, et ben j'aurais lu. Faut que je me penche là-dessus. Sinon, les enfants ont pris des bouquins. Ils ont pris Cornebidouille. J'adore Cornebidouille. Franchement, Cornebidouille, c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie. Détends-toi, pute. J'aime trop Cornebidouille. Comment Non, j'aime trop Cornebidouille, c'est sort d'une sorcière et tout. Elle est trop stylée, donc j'ai avalé Cornebidouille et Cornebidouille contre Cornebidouille. J'aime bien les lire aux enfants, Cornebidouille, avec la voix et tout. Comment tu sens la pomme de terre? Comment tu sens le pipi de grand-mère? Comment? Les premières œufs de Pâques, c'est un petit livre, il est pas mal en fait. Il est pas mal, on a lu à la bibliothèque et mon chouki voulait le prendre, c'est l'histoire d'une... C'est l'histoire d'une poule. C'est l'histoire d'une poule qui a fait son premier œuf. Et en fait, ce jour-là, bah, c'est la fête des œufs. On doit célébrer le plus bel œuf. Le plus bel œuf. Et en fait, elle est super pressée. Elle y va. Elle rencontre plein de protagonistes qui lui disent mais non, ton œuf, il est trop petit. Il est trop fragile. Il est pas bien. Tu devrais rentrer chez toi. Tu devrais pas le montrer et tout. Et elle est tellement pressée qu'à chaque fois, elle tombe. Elle fait tomber son œuf dans le sable, dans les pétales, dans de l'herbe et tout, et du coup à la fin ça lui fait un petit œuf coloré, et c'est elle qui est élue meilleur petit œuf, tu vois. Donc je trouvais ça cool comme livre, et puis mon chouki voulait prendre, on a pris le livre Patouche la mouche, j'aime bien ces bouquins là, à chaque fois c'est sur un animal. Bah voilà, il est là, Léon le Bourdon. Je me demandais comment il s'appelait, Léon le Bourdon. Bah Léon le Bourdon il est bien con, ah non je te le dis. On a pris un livre sur police, bing, un petit livre sur la police pour voir, bon, je sais même pas ce qu'il y a derrière, bon, ça peut être marrant. Après je vais prendre les pompiers. Mon chouki a voulu prendre Mini Lou et petit et lapin de Pâques. Ma chouquette elle est dans les BD, ça y est. Manipulation, bing bang, bon, a pris ce livre là, à voir ce que ça donne, mais elle était en train de le lire, donc on va voir, je sais pas à partir de quel âge c'est même pas marqué. Et elle a pris un livre avec les elfes. Hop. Mon chouki a voulu prendre un livre sur les trains. On a pris aussi le livre La chasse à l'ours. Hop, un bouquin sur les Ferrari. Et mon fils a voulu prendre ce bouquin-là. Je sais même pas ce que c'est. Il a voulu prendre ça. Carotte. Couleuvre. Ouais. Serre, c'est quoi l'idée de ce livre? Chien, courgette. Dans la maison de mon enfance. Puissant chou, haricots verts, poussaient chou, haricots verts, carottes, pommes de terre et quelques arbres fruitiers. Au bout du jardin se trouvait un clapier à lapin, dont je m'approchais avec crainte, surpris par leur brusque galopade. Des fleurs poussaient autour du puits, sous les vérandas quelques plantes grasses, au-delà des hauts murs qui entouraient la maison et le jardin, c'était la campagne. J'en explorais les moindres recoins, des busquant les lézards blottis contre les pierres chaudes et les orfères dans les buissons humides. Je sursautais fasciné par la reptation silencieuse d'une couleuvre. Je faisais un détour à l'approche des fermes où j'entendais le chien aboyer. Enfin, arrivé à la rivière, je me posais sur un rocher et me laissais envahir par le bruit de l'eau, les chants des oiseaux, la beauté simple et paisible du paysage. Je vis maintenant à Paris, mais je porte toujours en moi toutes ces sensations si vives de mon enfance, et j'aime les faire connaître dans mes peintures. Ok, super. Et celui-là, La chasse à l'ours, il m'a fait rire parce que c'est un livre de... je connais pas les termes, mais c'est un livre un peu de répétition. Mais en fait, c'est une famille de 3 enfants qui se barrent. Nous allons à la chasse
À l'ours, nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Oh, une prairie, on dirait la mer. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à la traverser. Et du coup, tu vois la famille qui traverse. Floup, 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 floup. Et en fait, après, ça se répète. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Et là, il y a une rivière. On ne peut pas passer dessous, on ne peut pas passer dessus. Hop. Splash, 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 splash. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Hop, et là, de la boue. On ne peut pas passer dessous, on ne peut pas passer dessus. Allons-y, allons-nous nous enliser. Plouf, 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 plouf. Ah, voilà, c'est marrant. C'est toujours ce que c'est marrant. Bref, voilà, la bibliothèque, franchement, c'est top, 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 top. Ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas été à la bibliothèque. Et là, c'est une espèce de petite tradition avec les enfants. Soit c'est le samedi, soit c'est le mercredi. En général, le mercredi, c'est piscine. Ah bon, ça y est, on a une tradition. En général, le mercredi, c'est piscine. Et le samedi, c'est bibliothèque. Et c'est quand même super cool d'avoir des livres gratos. Et de lire un petit livre tous les soirs. Tu vois. En plus, c'est cool parce qu'à la bibliothèque, on va en prendre 6. On a deux comptes, bientôt 3. Donc franchement, c'est archi cool. Et puis à chaque fois, tu vois, il y a plus de 6 livres par personne. Et c'est grave cool. Bref, j'ai beaucoup trop blablaté. Je vais aller filmer mon petit haul Timou des familles. Je vous fais des gros bisous. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Mais franchement, une ouverture de vlog pour 17 minutes. Je nique la batterie, voilà. Je vous fais des bisous les gars. Coucou les loulous. Journée tranquillou à la maison aujourd'hui. On est plutôt pas mal. Compliqué quand on a marre de ta tête, de t'humer tout le temps, c'est chiant. J'ai un gros bouton là, on en adore pas. Aujourd'hui du coup j'ai posé ma journée parce que ma petite fille, SP, j'en peux plus de ma tronche. C'est chiant. Bon, bref, passons. Ma fille fait un spectacle à 18h30. Donc du coup, j'ai posé ma journée pour aller à son petit spectacle. J'ai un peu fait des montages aujourd'hui. Rien de fifou, je suis essoufflée de ouf tout à l'heure. Mais je me suis dit qu'il faut vraiment que j'arrête. Hein. Tout à l'heure, j'ai mis la musique à fond, j'ai dansé, j'étais essoufflée en mode en 30 secondes. Puis le poil, laisse tomber. Ma vie, laisse tomber, compliquée la vie quoi. Là, je suis en train de faire manger. Et faut que j'arrête de parler comme ça. Et je vais mettre en vente des choses sur le bon coin. Parce que voilà, on est toujours dans le tri, le machin, le truc, on est toujours là-dedans. Et là, je vais faire de la grosse place parce que je vais vendre cet appareil là. Que j'avais eu en partenariat, mais qui est très très bien, mais que je n'utilise pas. C'est un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais Kitchen Grand Chef. C'est un Kitchen Grand Chef. C'est celui-là. Il est très très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, mais je ne m'en sers pas. Donc voilà, ça va partir sur le bon coin. Franchement, il est top. Hein. Il est top top top, mais. Mais voilà, je m'en suis servi deux fois. Et je vais mettre ça aussi en vente, un espèce de blender. Une espèce de blender. Il y a tout ce qu'il faut et tout. Il y a des choses que j'ai jamais utilisées. Mais voilà, pareil, je m'en sers pas. J'utilise mon petit truc à main. Donc voilà, autant faire du tri. Surtout ça, là, ça va faire du bien. J'ai le carton dans la cave. Donc du coup, je vais tout. Je vais faire des petites photos. Et ensuite, je vais tout mettre directement dans le carton. Mettre directement ça dans la cave en espérant que ça parte. Peut-être que je vais vous faire une petite. Peut-être que je vais faire une petite vidéo pour vous poster. Ouais. Ce serait plutôt pas mal, ouais. Faire une petite vidéo pour. Une petite vidéo Insta pour vous montrer ça ou pas, je sais pas. Bah, au pire je la filmerai et si ça part pas bah je vous balancerai la petite story sur Insta. Voilà. C'est cool d'être à la maison, c'est cool, mais par contre c'est un truc de fou à quel point je ne vais plus jamais, ça m'a fait peur, à quel point je vais plus dans le salon. Genre j'ai passé la journée dans ma chambre. C'est un truc de fou. Un truc de malade.
Dans la chambre d'amis quoi. Il faut que je m'approprie un petit peu plus le salon. Demain c'est trop cool parce que je dors chez mon petit frère. Donc vous verrez mon petit frère. Et je viens de me dire que demain est samedi, je dors chez mon petit frère. Et qu'il faudrait que je finisse le montage de ce vlog. Mais au moins vous verrez sa petite tête. Nous c'est cool, ça va faire du bien. Ça fait... Non c'est long. Bon ça fait pas trop longtemps vu que la dernière fois on avait mangé au sushi avec les enfants et tout. Donc ça va être cool, demain du coup je travaille, je vais chez mon frère direct et après dimanche matin je travaille aussi. Mais du coup vu que je serai sur Paris je serai un petit peu plus proche du taf donc c'est cool. De me lever à 4h, je me lèverai à 4h30, donc c'est chouette. Et puis voilà, puis après lundi, mardi je suis au repos. Mine de rien il est cool ce nouveau cycle, il est assez chouette. Tout va bien. Hier on a fait des câlins et tout. Je dis ça parce qu'il est juste là en train de monter péniblement. Il est là. Voilà, il monte péniblement. Mais il va bien. Hier on a fait des gros câlins de ouf et je lui dis mais c'est quoi ce... Je me suis dit c'est quoi ce chat qui arrête pas de faire des phases en mode je vais canner et qui revient. Truc de fou. Voilà, rien de très très passionnant. Je me suis habillée comme ça aujourd'hui. Petite outfit des familles, ça fait du bien, il fait beau, ça fait tellement de bien, franchement ça fait du bien de zinzin, ça fait du bien au moral de fou, un truc de ouf. Je me suis lavé les cheveux, voilà ce que j'ai fait pendant une heure, et franchement aujourd'hui pour une fois ça m'a fait bien parce que j'ai profité un petit peu de moi et j'ai pas fait grand chose de ma journée. Par quelques montages. Et ouais, je me suis lavé les cheveux. Je voulais vous faire une vidéo directement sur le produit là que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté de chez L'Oréal. Mais en fait je me dis, hey, cocotte, t'as plein de trucs à faire, t'as des trucs à mettre en vente sur le bon coin, t'as des photos à faire, et puis maintenant dans 15 minutes faut aller chercher les enfants. Je vais au judo avec, je vais chercher les deux enfants, je vais au judo avec, enfin je dépose la chouquette au judo et après on va traîner un petit peu avec Chouki, et ensuite du coup il y a le spectacle. Donc voilà, ça me saoule parce que mon fils il est invité, samedi à un anniversaire, et j'ai fait la commande trop tard pour le cadeau d'anniversaire. Je vais être une mère horrible parce que du coup bah, le cadeau d'anniversaire c'est marqué, en fait je t'explique, j'ai acheté deux trucs pour le fils, pour l'enfant qui fête son anniversaire, et j'ai acheté un truc aussi pour moi perso, sauf que pour les deux trucs c'était marqué que ça arriverait aujourd'hui, et pour mon truc perso c'est marqué que ça arriverait samedi, et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout regroupé et les deux arrivent samedi avant 22h. Donc dégoûté, et honnêtement j'ai la flemme de me taper une demi-heure pour aller chercher un cadeau. Je sais, je suis horrible de ouf, mais j'ai la flemme voilà de prendre la voiture. J'avais envie d'aujourd'hui être tranquille ou bilou. Mais ouais, flemme. Oh putain, flemme d'aller prendre la voiture, d'aller acheter un cadeau. J'ai regardé sur King Jouet parce qu'en fait monsieur passe par un King Jouet, et j'ai regardé si c'était possible de faire une commande 2 heures, naninana, et je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que c'est possible qu'en rentrant du taf tu passes au King Jouet si je fais une commande et tout. Il me fait non mais en fait j'aurais pas le temps. Je fais eh c'est bon, ça m'a saoulé, pourquoi c'est toujours moi qui fais les cadeaux, les machins, les trucs. Le garçon aura son petit cadeau en retard, mais voilà, j'en ai, enfin c'est chiant quand il y a des conflits comme ça avec les parents et que du coup mais il y en a un qui lâche l'affaire et l'autre qui faisait pas grand chose, qui ça pénalise les enfants, tu vois, c'est chiant. Mais c'est pas grave, voilà. Il aura son cadeau dimanche, on ira. Enfin je vais demander au papa, enfin il va peut-être avoir la flemme, tu vois. Mais au pire, voilà, mon fils lui donnera un cadeau. Cadeau l'autre jour. Et puis voilà, ça me fait chier un peu. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas envie de. J'ai déjà commandé un truc, le truc ça fait n'importe quoi. Voilà, j'aurais dû m'y prendre en avance, c'est sûr. Mais il aura plus tard. Voilà, jetez-moi la pierre si vous voulez. Mais un peu la flemme de partir en vadrouille pour aller chercher un cadeau que j'ai déjà choisi. Et que j'ai recherché pendant une petite demi-heure sur Amazon. Et voilà. Bon allez, je vais faire tout ça, je vais m'activer un petit peu. Faut que j'aille un petit peu le robot parce qu'il est un petit peu cracra. À un moment donné, je l'avais mis en exposition. Et là du coup je suis en train de faire hop à manger avec le air fryer. C'est pas mal du tout. Et j'ai reçu une demande de collaboration pour un autre air fryer avec double tiroir. Faut que je leur réponde. Je dois avoir 5-6 mails à répondre. J'ai pas encore répondu. J'ai pas pris le temps. Il est 16h10, il faut que je m'active.
Coucou les loulous. Oui, je suis chez... Oh, Clover, tu vas être sur YouTube. Hein. Non, mais attends, faut ranger là. Non, c'est trop tard. Tu vas être sur YouTube. Bah ouais, bah ouais, voilà. Voilà. Je suis chez mon frère, j'ai envie d'arriver, j'ai envie de canner. J'ai fait 1h30 de route. Autant te dire que j'ai fait une quinzaine de bornes. J'aurais été autant plus vite chez moi. Mais bon, on est là. Et quand je suis arrivée à 900 mètres, on me dit, c'était machin barré là. La rue était barrée, il y avait un tournage en cours. Excusez-nous les Parisiens, il y a des tournages en cours, bah vous bloquez des routes pendant plein de tournages. Un samedi soir. Mais c'est une très bonne idée, Maurice. Continue sur ta lancée. Donc voilà. Un chien, c'est pire qu'un enfant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel. Donc voilà, je suis chez ma Josie, c'est cool. Ce soir, on va manger McEbury's. Ouais, c'est très beau ton porte-revue là. Tu peux mettre que 3 revues dedans, mais... C'est très design, n'est-ce pas? Une petite cheminée... des petites cheminées à huile. Ok. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa table. Sa table, je l'aime trop. Elle existe en clair, en transparent. Donc je pense qu'un jour, j'achèterai chambre. Donc voilà. Ah, ma Josie, il est là. Hey. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je... Bébé, voilà. Vlog de fin, clap de fin, clap to end, put your hands up in the end, put your hands up in the end. Je vais vous laisser là. Est-ce que t'as un mot de fin? Bye. J'ai envie de vous dire bonne soirée. J'ai envie de vous dire bonne soirée. Le mot de fin sera bonne soirée. Oh, c'est mignon, c'est quoi? Des allumettes? Ouais, c'est Action. Quoi? Des allumettes à l'aide d'Action? Ah bah, hey. Vous avez vu ça? C'est vrai? Des allumettes roses? Ouais, moi je t'apprends des news, moi. Faut que je retourne chez Action, c'est trop mimes. Des allumettes roses, tu savais qu'elles étaient roses avant de les acheter? Quoi? Tu savais qu'elles étaient roses avant de les acheter? C'est un cadeau, c'est... C'est trop mimes. Et tu es trop mignon, je pense pas. Donc, voilà, bonne soirée, le mot de fin. Faut que je me pose, et j'en ai marre d'avoir la gorge en feu, là, ça me saoule. Bah, arrête de fumer quand t'es malade, ce serait bien, ouais. Compliqué. Donc voilà, je vais faire le montage tranquillou bilou de ce vlog. Regardez mon outfit. Outfit de la fille qui n'a pas envie de se prendre la tête. Mon petit cheveu là, ça se voit pas trop. Ça va, ça passe. Oh, ce siège, il est beau aussi. Vraiment, ici, on est dans un endroit vraiment de toute beauté. Ça. Hey, Clover. Hey. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais, bébé? Mais qu'est-ce que... Mais... Si elle est dans ce... Qu'est-ce qu'il y a? Elle est dans son comportement. Elle veut un câlin à moi. Elle t'attend. Tu m'attends, t'es coquine. Tu as un gros poids toi, tu vois. Bah, du don. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est tata. C'est tati Josiane. Hein. Petit petit bébé là. Oh le bébé dans son petit cousin rose, non. Oh là 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 là. Est-ce qu'ils avaient vu Ruby? Oh, bah, peut-être il y a très très longtemps. Je sais pas. Elle est morte quand, Ruby? Il y a combien de temps? Quoi? Bah, il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi à Ruby? Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il l'ait aperçu. Je sais pas. Les chiens, ça me fait flipper. Ça me fait ce genre de piège. Bref, je vais me poser. Je vais faire le montage de ce vlog. Et. Mais tu sais qu'Angel, j'ai l'impression qu'il va caner toutes les 4 matins. Hein. Bah ouais, mais il tient là, il est là. Hein. Il est toujours là. On est là. On est là. On est là, mon frère. Le chat, il est toujours là. Il est là, un truc de fou. Ah, le truc, il va rester jusqu'à 25 ans, il fait des phrases, quoi. Donc voilà, les gars. On va se poser. J'ai pris mon petit ordinateur. J'ai tout pris. On est plutôt pas mal. Il y a un truc que je voulais vous montrer, mais je vais vous montrer là, parce que, en fait, j'ai un peu la flemme de vous faire une comment dire... De choper l'extrait du machin du truc. Tout à l'heure j'étais à la pharmacie pendant ma pause. Elle a fait pipi, bah voilà, bah chier. Hop, et ouais, du coup je disais que j'avais été à la pharmacie et j'ai vu un truc super sympa à la pharmacie. Quand j'étais enceinte, moi je mettais des... Attendez, j'essaye de m'en sortir. Si on s'en sort, est-ce qu'on peut s'en sortir? Je ne sais pas si on va s'en sortir. Pourquoi mon téléphone ne marche pas? Ok, donc je disais
que j'avais été à la pharmacie pendant ma pause et j'ai vu que qu'ils vendaient des coquillages d'allaitement. Les coquillages d'allaitement, franchement, c'est, je vous montre en même temps. Hop là, hop, voilà. Et bon, la qualité, elle est un peu pourrie. Alors je sais pas si ça existe dans tous les pharmacies et tout, mais grosso modo, quand moi j'allaitais, j'avais des crevasses et tout, c'était juste une horreur. Je mettais de la crème et tout, c'était un gros bordel. Et en fait, je sais plus comment j'ai connu ça. Je me souviens plus. Mais dès la première, hein, dès la petite chouquette, des coquillages d'allaitement. Et donc en fait. Bah c'est des coquillages, c'est des vrais coquillages, et vu que t'as la nacre, je les ai encore, faudrait que je les retrouve, vu que t'as la nacre, et ben tu les mets sur tes tétons, entre deux allaitements, et je trouve que ça t'apaise vachement les tétons, et des fois ce que je... les tétons, où tu têtes, tes tétons. Et des fois je mettais de la crème et tout par dessus et franchement c'est nickel chrome. Donc si vous êtes enceinte, si vous voulez allaiter, alors peut-être attendez, prévoyez peut-être le truc, tu vois. Mais parce que pour Chouki j'ai pas eu mal, mais il faudrait que Chouquette elle pensait des fois. Et franchement les coquillages d'allaitement c'est franchement top. Alors je sais pas ce que cela vaut, mais je pense que coquillages d'allaitement c'est des coquillages d'allaitement. Moi je sais plus où je les avais achetés les miens. Mais voilà, je ne peux que vous les conseiller. Si vous êtes en train d'allaiter, que vous... Moi je sais que ma fille, à peine je savais qu'elle allait téter, j'étais déjà crispée de savoir qu'elle allait me déchirer. Je me souvenais plus de cette sensation, tu sais, où je la mettais sur mes seins et j'étais tendue comme ça, toute serrée. J'avais mal avant d'avoir mal. Et ouais, ça me faisait pas mal de bien. Et donc voilà. Petit truc, j'ai vu ça tout à l'heure à la pharmacie, style de la famille. Je me suis dit que j'allais vous en parler. Et là, voilà, j'ai la flemme d'extraire la vidéo. Mais vous l'avez vu, ces petits coquillages d'allaitement. À 30 balles, je crois que moi, je les avais payés. Grosso modo, je les avais payés. J'avais plus à parler. Ce prix-là, je suis en train de regarder en même temps où je les avais achetés. Peut-être que le site va me faire tilt. Mais. Ce truc, c'était une révolution. Passage du désir, ils ont craqué, hein. Ah ouais, moi je les avais pris chez Baby Shell. Ouais, c'est ça. Coquillage d'allaitement plus season d'allaitement. Baby Shell, ouais, moi je les avais pris là. Je vous montre le site. Enfin, moi ils viennent d'ici. Les miens, très très bien. Alors est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est la même marque? Non, c'est là, c'est Passage. Enfin, c'est sur le site Passage du Désir, mais c'est pas la même marque. Mais pourquoi ils mettent un truc passage du désir pour des coquillages d'allaitement? Passage du désir, ils ont craqué. Tu peux trouver des sextoys, des machins, des trucs, et tu peux trouver aussi des coquillages d'allaitement. C'est très bizarre, c'est très particulier. Bref, sur ce, les loulous, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Très bon week-end. Très bon petit déjeuner. Tout ce que tu veux. Je vous fais des gros bisous. J'ai profité de ma Josie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et je vous dis... à la semaine prochaine dans un nouveau Flag. Rio Cancun Marbella, toi moi soleil ma bella, Versace Gucci Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera, cigario dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.